Lancement officiel ce matin d'un cycle de doctoral dans les différentes facultés de N'Djamena. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, professeur Makaya Santaïsou, qui a procédé au lancement. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de conférence au Centre national d'appui à la recherche, en présence de deux professeurs de l'Université Cheikh Anta Diop du Sénégal et de la communauté universitaire tchadienne. Les détails avec Souleymane Diabo. Mieux vaut tard que jamais. Les toutes premières écoles doctorales viennent de voir le jour au Tchad. Elles viennent ainsi boucler l'architecture des formations universitaires. Désormais, les grades licence, master, doctorat affichent complet. Les toutes premières écoles doctorales sont celles des lettres et sciences humaines et l'école des sciences techniques et environnement. Ces deux entités sont des organes internes de l'université de N'Djamena, informe le recteur. Toutes sont logées dans les différentes facultés de cette structure de l'enseignement supérieur, s'est félicité Mohamed Barka, recteur de l'université de N'Djamena. Le directeur de l'école des sciences techniques et environnement, professeur Boubacar Bey, et celui des lettres et sciences humaines, professeur Djirangar Djita Issa, ont situé l'auditoire sur les contextes et les cadres institutionnels de ces écoles. Tous ces responsables invitent les étudiants titulaires des masters, ceux fraîchement sortis des universités et les aspirants au rang doctoral, ainsi que ceux qui voudraient bien consolider leurs acquis d'expérience par une thèse de doctorat, à se manifester. Même si le lancement de ces écoles doctorales intervient 46 ans après la création de l'Université du Tchad, actuelle Université de N'Djamena, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, professeur Makai Hassan Taïso, a qualifié d'historique cet événement. Un appel aux candidats aux thèses dans les disciplines conformes aux deux écoles doctorales déjà opérationnelles à s'inscrire dès lors que le dispositif est mis en place. Et aux enseignants, chercheurs qualifiés, de se positionner pour l'encadrement de nos premiers doctorants locaux. Je m'engage en ce qui me concerne, et en tant qu'enseignant, à donner le temps en me proposant à encadrer dans mon domaine et tout ce connexe deux étudiants pour démarrer. À cette occasion, le professeur Ben Sekina Togebay a fait une présentation à l'endroit de la communauté universitaire. L'éthique, la déontologie, la recherche scientifique et les fonctions de la recherche, ainsi que les plagiats, étaient au nombre des thèmes développés. Dans son allocution, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Makaya Santaïsou, a énuméré le chemin parcouru pour le lancement de l'école. Suivez plutôt le ministre. Quelques dates. 1971, création de notre première université, l'Université du Tchad, devenue par la suite l'Université de N'Djamena. Il a fallu attendre l'avènement de 90 et de 94 à 2016, nous avons près d'une dizaine d'universités dans notre firmament l'enseignement supérieur. Il a fallu près de 50 ans, 46 ans exactement, 71-2017, 46 ans pour voir naître les premières écoles doctorales. Le chemin parcouru a été long, mais il est aussi riche d'expériences quand on sait que la mise en place des textes statutaires et organisationnels, la définition des thématiques de recherche majeures constituant le regroupement des domaines de formation existants au Tchad ont bénéficié des appuis multiformes du gouvernement et des partenaires scientifiques extérieurs. L'événement que nous célébrons aujourd'hui est historique. Historique non seulement pour les institutions universitaires, mais également
pour les plus hautes autorités du pays, en l'occurrence son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui a induit ce développement fulgurant parce qu'il attache une attention particulière à l'œuvre éducative en général et à l'enseignement supérieur en particulier. Le lancement effectif ce matin des écoles doctorales, n'ayant aucune crainte de l'affirmer, est le couronnement des efforts fournis dans le domaine académique et scientifique au Tchad. Toujours en éducation, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, Hissène Massar Hissène, a rencontré ce matin à son cabinet les responsables de l'école supérieure polytechnique internationale privée de Tunis. Le partenariat entre l'Université du Tchad était au menu des échanges. Reportage Vareladi. Le Tchad et la Tunisie, deux pays qui raffermissent des relations de coopération axées sur plusieurs plans, dont celui de l'enseignement supérieur. Ce mercredi 4 octobre 2017, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, Hissène Massar Hissène, échange avec les responsables de l'École supérieure polytechnique internationale privée des SFAX de Tunis. Au centre des entretiens, le développement des nouvelles stratégies pour former les étudiants tchadiens dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Nous offrons exclusivement une réduction de 50% sur les frais de scolarité. En plus, nous accordons deux bourses aux jeunes tchadiens qui veulent étudier à l'ISPI. J'espère que ce partenariat se concrétise à travers une convention que nous allons élaborer ensemble, Monsieur le Ministre, et que ce partenariat soit pérenne. Réconforté par cette annonce au profit des étudiants tchadiens, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, Hissène Massar Hissène, rassure ses hôtes du soutien de son département. Aussi, Hissène Massar Hissène souligne qu'avec ce nouvel élan, les étudiants tchadiens qui aspirent à opter pour les TIC comme spécialité trouvent leur compte réglé. Restons toujours dans nos régions, plus précisément dans le département de Kouest, où un bâtiment de 3 salles de classe construit dans le village Bédo par le député Dinga Madi Ngakoutou Moïtio Delphine est inauguré le 30 septembre dernier. La cérémonie a été présidée par le préfet de Kouest, Faré Ladje. L'école officielle du village Bédo dans la région du Logone oriental, créée dans les années de l'indépendance en 1960 et officialisée un an après, bénéficie d'un bâtiment de 3 salles de classe. Une initiative du député de cette localité à l'Assemblée nationale, Dinga Madinga Koutou Mochio Delphine. Selon la donatrice, ce geste a pour objectif d'accompagner le gouvernement dans sa politique qui consiste à offrir les infrastructures scolaires à la population. Ce bâtiment de 3 salles de classe peut déjà accueillir 6 niveaux. Je voudrais attirer l'attention des parents et des élèves eux-mêmes que leur avenir est à l'école. Qu'ils soient filles ou garçons, c'est en fréquentant l'école que les générations nouvelles éduquées à l'école tiendront de plus en plus à faire des réalisations pour leur village et au-delà de leur pays. Ému par cet acte de bonne volonté au bénéfice des enfants du village Bédou, le délégué à l'enseignement et à la jeunesse de la région du Logone oriental, Mémadiné Koro Raphaël, invite les parents à inscrire massivement leur progéniture à l'école, surtout les filles, car le gouvernement prône l'éducation des filles. Le préfet du département de Kouest, Mohamed Badawi Alhaj Anour, a présenté ses gratitudes à la donatrice. Il invite d'autres cadres ressortissants de la localité à suivre ce bel modèle.